l'émission Le Miroir sur Randa TV. Et aujourd'hui, le public est de retour. Bienvenue, Madame Mary. Ouais, ils sont avec nous et c'est un grand plaisir de vous avoir. Ils seront avec nous pour 2 semaines spéciales. Cette première semaine, on va la consacrer à notre public. La deuxième semaine, nous serons avec un invité de choix de marque, un des artistes favoris de notre public. Kenny Keshot, vous connaissez? Applaudissez pour que j'entende. Oui, et donc il sera avec nous la semaine prochaine, mais pour bien l'accueillir, là, nous allons mieux connaître notre public, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts? Oui. Si vous êtes content d'être de retour, comme moi, je suis content d'avoir un public de retour, applaudissez. Oui, donc aujourd'hui, on découvre notre public et on commence juste après cette petite pause. Ne bougez surtout pas. Oui, comme promis, aujourd'hui, un épisode spécial où nous allons mettre les coups de projecteur sur l'année 2022 qui est à... Voilà, nous sommes en train de finir l'année 2022, de commencer l'année 2023. Et qu'est-ce qui nous a marqué comme musique, comme cinéma, comme série, etc., comme livre, pourquoi pas, etc., etc. Moi, j'ai été personnellement marqué par cette chemise. J'adore cette chemise. Donc, il fallait que je la porte dans cet épisode de ce qui a marqué notre année 2022. Je pense que je vais la porter tout le temps, tous les jours et tout ça. Et c'est une de mes création, c'est du David Kay et c'est une toute nouvelle collection. Alors, qui va être le premier membre du public à se mettre face au miroir? Jay, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Comment ça va? Oui, tu peux t'asseoir. Tu as quel âge? Dis-moi. J'ai 17 ans. 17 ans, tu es en quelle année? Cinquième. Cinquième, donc l'avant-dernière année du secondaire. Si, si. Super. Quels sont tes cours préférés en classe? Tout, mais je préfère les français, anglais, business, littérature. Tous les cours? Mm. Super. Mon préféré, c'est le français. Le préféré, c'est le français. Comme moi, quand j'étais en français. Oui. Et voilà donc, il est de Mother Mary International School, c'est une école qui est ici à Kigali. Oui, et donc, ton année, pendant l'année 2022, à part le français que tu as beaucoup aimé à l'école, quelle est la chanson qui t'a le plus aimé, que tu as le plus aimé? Oh, j'écoute les chansons américaines. Pas de problème. On est international sur le miroir. Oui. Oh, mon artiste préféré, il est mort. Il s'appelle Pop Smoke. Pop Smoke, c'est vrai? Pop Smoke. Oui. Ah, d'accord. Et donc, tu veux qu'on play une des chansons de Pop Smoke là tout de suite? Ah oui. Et le public est d'accord. Oui, ils sont tous fans et voilà, on va vous donner une de ces chansons là tout de suite. Laquelle? N'importe laquelle, c'est bon? Dior. D'accord. Ouais, la chanson est restée au top même au fil des années. Hein? Oui, c'est vrai. Et jetons un coup d'œil donc à cette chanson en même temps. On te remercie beaucoup, Jay, d'être passé sur nous voir ici. Et il faut qu'on te demande, face au miroir, tu te regardes souvent dans le miroir, qu'est-ce que tu aimes sur toi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Bon, j'aime tout sur moi. Ce que j'aime pas, j'essaie de corriger. Bravo, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'accueillir. Tu peux rejoindre tes amis. Ouais, et en attendant, Pop Smoke Dior. Oui, après ça, nous sommes toujours avec nos amis de Madame Mary International School. Quelques-uns d'autres? On va en découvrir comme 3 ou 4. Peut-être 5, je ne sais pas. Un autre qui veut venir? Ouais. Ça va. Faut applaudir pour elle. Regarde. Comment ça va? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Chami.
Chami. Oui, Chami. Et tu es en quelle année? En quatrième. En quatrième. Donc, il te reste encore 2 ans après celle-ci. D'accord. Et tu aimes quel cours à l'école? ICT, hein, informatique. J'aime bien. Quoi d'autre? D'accord. Littérature. Littérature. Ouais, le prof, il est bien. Oui. Ouais, je crois que c'est tout. Tu écris aussi un peu? Plutôt lire. Plutôt lire. Non. D'accord. Ah, ça, c'est bien. Et alors, en 2022, quelle a été la série ou le film qui t'a le plus intéressé? La série. Côté série, je dirais. Peut-être Euphoria. Euphoria. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, merci. Côté film, Enola Holmes, c'est le deuxième film qui est sorti. Le deuxième? Wow. Ouais. Oui, il est sorti récemment. Ouais, récemment, j'ai bien aimé. Ah, j'ai pas encore regardé. Merci, tu me convaincs, je vais aller le voir. J'avais eu peur de regarder, je me disais, est-ce que je vais aimer? Et une chanson en particulier que tu as kiffé cette année? Cette année, bon. C'est plutôt un album. Oui. Un album d'un rappeur américain qui s'appelle Saba. Ouais. Ouais. Oh. Oh. D'accord. Oh, d'accord. Yeah. D'accord. Ça s'appelle Few Good Things, c'est sorti en 2022. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. D'accord. Et je vais découvrir grâce à toi. Oui, c'est très bon. Ouais, merci beaucoup d'être venu. Merci aussi. Ouais. On jette un coup d'œil au choix de notre ami Chami. Elle nous a parlé de Euphoria, de Enola Holmes, le deuxième, mais aussi de ce nouveau rappeur Saba qu'on découvre ensemble. What's in the suitcase? There's a difference between what you think you should want and what you actually want. I'm your new favorite person. I feel like I would look so sexy pregnant. Maddie, please do not get pregnant. Wait, why do you look like that? Like what? Like a country music star. In a good way or a bad way? Bitch, you better be joking. I came up with an amazing plan. And what would that be? C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Randa TV. Nous sommes en train de découvrir les choix du public en ce qui concerne l'année 2022. Et avec vous, je suis en train de découvrir. Et on continue. C'est avec Madame Mary International School. Qui d'autre? On va prendre peut-être les deux derniers. Tracy. Tracy, comment ça va? Oui, tu y es une boule de bonne énergie. Ouais. Elle est toujours comme ça? Positive, tout ça? Oh, il faut applaudir pour elle alors. Elle est toujours de bonne humeur comme ça. Hein? Oui, et tu es en quelle année, dis-moi? Je suis en cinquième. Oui, tu veux faire quoi plus tard? Je veux être software engineer. Ouais. D'accord, ça c'est intéressant. Et tu as une meilleure amie ou des meilleures amies à l'école? Je suis toujours avec une fille, elle s'appelle Stacy, c'est ma meilleure pote, c'est une sœur. Tracy et Stacy. Ouais. Elle est dans le public, tu vois, ils sont en train d'applaudir là-bas. Et la deuxième, c'est Beza. Et Beza aussi. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et dis-moi, cette année, quel genre de musique tu as aimé et quelle est cette chanson qui te reste à l'esprit? Alors, cette année, il y avait beaucoup d'artistes, ils ont sorti beaucoup d'albums. Absolument. Et cette année, Kendrick Lamar, il est revenu. Et Kid Cudi, on a trop aimé. Absolument, j'attendais que quelqu'un dise ça. Ouais, et c'est vrai, Kendrick Lamar, son album, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment il fait à chaque fois, c'est toujours bien fait. Incroyable. Et Oh, on va lui poser une question un peu difficile. Face au miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Moi, j'aime bien ma marque de naissance.
Oui. Et super, elle me rend unique. Absolument. Ouais, et elle est trop cool. Tout le monde, quand elle me voit, il dit, oh, ta marque de naissance, elle est... Ouais, tourne-toi vers là pour que la caméra voit. Voilà. Voilà. Ouais. Superbe. Et ce que j'aime le moins, c'est mes dents. Mes dents. J'ai des appareils, bien, je veux pas aimer mes dents, mais... Mais ce qui est bien avec les appareils, c'est que après. Ouais, après. Oh, après. Je veux pas arrêter de sourire. Ouais, merci beaucoup, Tracy. C'est un grand plaisir de te parler. Et on va jouer aussi ton choix musical, Kendrick Lamar. Ouais, Kendrick Lamar. Mm-hmm. Rich Spirit. Super. Ouais. Ce sera le dernier, oui. Le dernier, c'est qui? Mickey. On applaudit encore pour elle. Comment ça va? Ah, ça va. Oui. J'aime le vibe aussi. Wow, vous êtes toujours de bonne humeur. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on donne aux élèves à Madame Mary International School? Parce que vous êtes tout le temps. De la joie. Oui. Oh, super. Dis-moi, tu aimes quel cours à l'école? Ah, la physique et la maths. La physique et la maths. Ouais. Wow. Et géo un peu. Et géo aussi. Ouais. Ah, super. Et cette année, tu as regardé un peu les films, les séries ou tu n'avais pas le temps? Je ne sais pas. Ah, trop, hein, trop. Mm-hmm. Après, j'ai cru que c'est une obsession. Hein. Mm-hmm. Mais après. Mais tu es arrivé quand même à faire les cours et les devoirs et tout ça. Évidemment. Ok, oui. Qu'est-ce que tu as aimé comme série cette année? Il y a trop, hein. Oui. Ah, il y a trop. All Americans. Littéralement. C'est vrai qu'ils ont gâché la série. Maintenant, ok, ils ont un peu pris une pause. Mm-hmm. Ils vont encore refaire, je pense, en avril, juin. Oui, oui. Mais après, c'est pire. Non, c'est super. Super. Et moi, j'ai encore toute une saison et demie à rattraper. Non, je suis content parce que quand je serai en vacances, j'aurai plusieurs épisodes à regarder. Oui. Et tu as une chanson préférée qu'on va jouer pour nos téléspectateurs? Ah, moi, j'aime bien trop le gospel. Oui. Ça m'inspire trop de ouf. Oui. Ma chanson préférée là maintenant, elle s'appelle Elohim, c'est pas Hillsong. Oui. Ouais, là, c'est ma chanson. Ouais. On va jouer cette chanson. Merci beaucoup. On va jouer cette chanson. Et pendant que la chanson est en train de tourner rapidement, on va appeler notre ami qui n'est pas ici pour la première fois. Oui, à venir ici. Tu nous rejoins sur scène, s'il te plaît? Especially at college. We're not the same people we were in high school. You're swimming with the big fish now, remember that. Coming home can be triggering. Suddenly you're reverting back to the old you and you don't even know it. Did you know Simone is back for Christmas? Christmas is a time for coming together and forgiveness and stuff. My man, did Spencer just vote to throw a party? I've dreamed about this moment for so long. Okay. Y'all either together or y'all not. You gotta figure that out. I would never ask you to give up anything for me. Everybody yell, no justice, no peace. There isn't any other investigative piece that you could write about? Why does it have to be Spencer's team? You ready to get back on my field? That's what we do best, right? Our relationship is our business. We got a bad feeling about Coach Garrett. If we're right, this could decimate the entire football program. Tu as un petit message avec le reste de tes amis pour une de vos amies. Salut. Mm-hmm. Bah, comme vous le savez tous, aujourd'hui, dans ce monde, nous avons besoin de l'amitié. C'est la chose la plus solide, la plus forte qu'on a. Donc, quand on a la chance d'avoir un ami ou une amie très forte qui donne l'amour, le soutien, nous sommes tous dans l'obligation de bien traiter cet ami. C'est pour cela que les gens de Mother Mary, levez-vous pour chanter « Kessi, joyeux anniversaire !» Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, Cassie. Joyeux anniversaire. Oui, et voilà donc, on va se dire au revoir dans cette bonne humeur et j'espère que vous passez bien les fêtes de fin d'année. Venez l'embrasser et lui dire joyeux anniversaire en chantant. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci à vous tous.